Ich bin da mit der Filmcrew von Elle, die extra aus dem Wallis angereist ist. Alors, bienvenue. Bonjour. Merci d'être venu. Vous êtes venu exprès du Wallis, c'est ça? Oui, ouais. De Martigny, oui. Ah, vous avez mis combien de temps pour... 4 heures. 4 heures. Oh. Also, Sie sind extra 4 Stunden hier angefahren, nur um am Festival zu teilnehmen. Ce film, je crois que, on l'a vu, le public il a beaucoup aimé. Et vous, ça vous a pris combien de temps pour réaliser ce film? C'était un grand projet? En fait, on pouvait... Vous me laissez parler ou... En fait, on faisait les séances le mercredi après-midi, mais ça nous a pris un mois à peu près. Seulement? Un mois et demi. Wow. Also, Sie haben den Film innerhalb von einem Monat, immer am Mittwoch am Nachmittag, haben Sie den Film geschafft und ja, wow. Et puis, une chose dont on n'a pas encore parlé avant, c'est la musique. Comment vous avez choisi la musique? Parce que pour moi, c'était quelque chose de très important dans ce film. Bah, la musique, c'est plus les Cédric et Joël qui l'ont choisi. Mm-hmm. Le moniteur, merci. Oui, on peut aller les chercher. Et en fait, ils ont choisi la musique dans le temps de l'harcèlement qui était un peu triste, mais pas aussi triste, hein, enfin une dépression nerveuse, mais triste, mais pour faire plonger les gens dans ce thème-là, l'harcèlement. Also, Sie haben die Musik so ausgewählt, um die Leute so ein bisschen zu dem Thema reinzuziehen, zu dem Mobbing-Thema. Und ich glaube, das ist wirklich auch sehr gut gelungen, das unterstützt es. Also, Sie haben viel, viel, sehr viel Zeit damit verbracht, um die passende Musik zu finden. Et donc, pour vous, c'était comment de vous voir maintenant ici sur le grand écran? Moi, je peux dire qu'il y avait beaucoup d'émotions. Bah, en fait, c'est assez bizarre parce qu'on a l'habitude de se voir nous, entre nous. On l'a projeté une fois à Martigny, chez nous, dans la Maison des Jeunes, donc le groupe qu'on est là. Et en fait, en dehors de là, en dehors de nos parents, puis de 2-3 personnes de l'extérieur, on ne l'a jamais vraiment montré à d'autres. Et c'est super réconfortant de voir que les gens ils applaudissent et puis qu'ils aiment le film, quoi. Also Sie haben den Film bei Ihnen daheim einmal vorgeführt und jetzt war es für Sie auch wirklich ganz toll, gewesen, den Film da können zu zeigen und zu sehen, dass die Leute auch applaudieren, dass Ihnen der Film gefallen hat. Oui. Moi je voulais juste dire qu'on a assez travaillé ensemble, enfin moi j'étais pas tout le temps là, je l'assume, et moi j'ai filmé personnellement donc j'étais pas sur le film, mais j'ai trouvé que vous étiez vraiment bien parce que c'était un travail assez difficile de parler devant la caméra. Et on a fait à plusieurs reprises, et moi je félicite ceux qui ont improvisé, parce que personnellement, moi si je devrais faire ça, je ne sais pas si j'y arriverais. Also sie hat die Kamera gemacht und sie findet es wirklich toll, wie die anderen das geschafft haben, so natürlich vor der Kamera zu stehen, besonders die, die selber improvisiert haben und das so natürlich übergebracht haben. Oui, tu aimerais ajouter quelque chose? Oui, et j'aimerais ajouter que tous les mercredis, bah, le fait qu'on était toutes ensemble et tout, même si elle avait loupé quelques fois et tout, c'était toujours la même ambiance et on a vraiment aimé faire ce film. Et même avec nos moniteurs. Et c'était vraiment une expérience à refaire et c'était génial. Also, Sie haben wirklich jeden Mittwoch an dem Film geschafft und es ist eine super Atmosphäre gewesen und Sie würden das wirklich sehr gerne wieder machen. Donc, on espère de vous retrouver ici, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, avec un autre film. Oui, donc, très certainement. Oui. Alors, bonne chance à vous et merci d'être venu. Merci à vous. Au revoir.